Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors le code de la map s'affiche en haut de l'écran, vous pouvez le voir actuellement, mais je le mettrai en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors quand vous arrivez dans la map, vous pouvez soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir, vous cliquez sur le bouton soutenir un créateur, et là vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule, merci à tous ceux qui le font, c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG. Alors ensuite, quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option, vous allez dans menu et vous lancez le jeu. Alors quand le jeu est lancé, ce que vous allez devoir faire, c'est chercher après la cabine téléphonique qui est juste ici, voilà. Et là, vous allez aller dans le coin, donc à gauche de la cabine téléphonique, regardez, prenez des points de repère, hop, vous allez à gauche, vous construisez trois sols, 1, 2, 3, comme ceci, regardez, derrière la cabine téléphonique. Et ensuite, vous construisez trois sols vers la gauche, 1, 2, 3. Et 3. Et là, normalement, vous avez un bouton d'XP. Donc, vous interagissez avec ce bouton d'XP. Regardez, je suis à 1600 XP avant le niveau 84. Donc, je vais activer le bouton. J'appuie sur option et regardez, je vais gagner plusieurs XP. Hop, 1000 XP. Là, ça continue. Voilà, là, j'ai gagné. Ah, ça continue. Ouais, j'ai gagné plus ou moins 3-4000 XP. Ok. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'appuyer sur option, aller dans menu. Est-ce qu'en arrêtant le jeu et en relançant le jeu, ça fonctionne? Je ne sais pas, on va essayer. Donc j'arrête le jeu, on relance. Quand on relance le jeu, on retourne directement là-bas, à côté de la cabine téléphonique. On crée trois rampes, enfin trois sols plutôt, excusez-moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On appuie sur le bouton d'XP. Et là, ça fonctionne toujours. Donc, dès que vous avez fait ça, vous faites arrêter le jeu. Hop. Vous appuyez sur carré. Vous retournez près de la cabine téléphonique. Et vous refaites le glitch. Et vous faites ça en illimité. Plus vous serez rapide, plus vous allez gagner des XP. Bien évidemment, moi, je gagne moins d'XP parce que parce que moi, j'ai glitché beaucoup. Hop, on fait ça. Arrêter le jeu. Rejouer. Donc moi, comme je glitch beaucoup, je suis assez limité dans mes XP. Par contre, je pense qu'il faut quand même attendre de gagner des XP. Donc je pense que c'est pas bien de faire comme je fais. Donc on va réessayer. On va derrière la cabine téléphonique comme d'habitude. On fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, on interagit avec le bouton. On attend que l'XP s'arrête de progresser dans votre barre d'XP. Ouais, vaut mieux faire comme ça parce que sinon vous ne gagnez pas les XP. Quand ceci est fait, là vous mettez arrêter le jeu et ensuite vous rejouez et vous refaites le glitch. Vaut mieux attendre que votre barre d'XP progresse que de relancer le jeu directement pendant que votre barre d'XP progresse parce que je pense que vous perdez les XP gagnés. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai pris 3000 XP, plus ou moins 3-4000 à chaque fois que je fais le glitch. Mais vous, vous allez peut-être gagner 40000 XP, c'est complètement aléatoire. Enfin, tous les cas, moi, je glitch beaucoup, donc je suis limité dans mes XP, mais vous, vous ne serez peut-être pas limité dans vos XP. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool ou Mike et ciao. Peace.